Salut! Donc ouais, j'ai pas pu aller au troisième donjon à la fin de la vidéo précédente. Donc je vais essayer de me brouiller un peu. Ouais, je vous préviens, tant que j'ai pas dit que j'ai mes nouvelles enceintes, je ne les ai pas. Hein. Ça peut durer longtemps d'ailleurs. Mais au bout d'un moment, je suis obligé d'en prendre. Rosa, on va en avoir besoin une seconde fois parce que il y a une caverne que seule elle peut ouvrir. Enfin, vous verrez ça. Ouais, voilà, c'est ça que je vous disais. Donc voilà, vous avez la preuve que c'est de la lave. Allez. Mais pourquoi je sortirais par là, moi? Je vais me retarder si je fais ça. Ouais. Je vais repasser par l'entrée de taverne. Ouais, je suis en train de manger des Pringles. Les originales. Hein. Enfin bon, on s'en fout. Voilà. On laisse Rosa. Et... on va aller au troisième donjon. Donc on va reprendre Ricky. Bon, là je suis obligé de jouer à une main en plus. Hein. Voilà, maintenant qu'on a l'été, merde, je me suis gouré encore. Voilà. Maintenant qu'on a l'été, on peut rentrer dans le troisième donjon. Il n'y a pas besoin de sortir de la souche et revenir. C'est parce que je suis allé trop vite. Hein. Et nous voilà dans l'antre mythe poison. Bon. C'est pas génial comme nom, je trouve. Alors là, je suis sûr qu'il y en a qui le savaient pas. Bon, ça, bon, vous savez qu'on pouvait les retourner avec le bouclier. Est-ce que vous savez qu'on pouvait les retourner avec la pelle? Ça fait plus sadique en plus. Merde, le con. Et ici. Voilà. On a un petit coup de pelle, on les retourne. Et hop. Donc même si on s'est fait bouffer le bouclier par les like-like, là, les espèces de flancs au caramel, là. On peut toujours, voilà, on peut toujours les battre. Mais bon, c'est toujours plus pratique avec le bouclier, c'est plus sûr en plus. Donc là, on peut pas y aller parce qu'il faut la plume. Enfin, faut pouvoir sauter. Et parce que lui, il a une gueule de gamin. Il va soulever une épée, mais il peut pas sauter, toi. Là, je préfère toutes les tuer, hein, parce que je vais pas prendre de risque. Enfin, je vais essayer. Voilà. Alors là, faut bien faire exactement comme moi, sinon on bloque le truc. Parce qu'on peut pas étirer en arrière, hein, les... Putain, il reste beaucoup des Pringles, hein, quand même. Le problème, c'est que je peux pas parler en mangeant, quoi. Alors, ouais. Là, des espèces de... tête de lapin, là. Voilà. Thank you.
Alors en général quand on a un coffre avec des bombes, c'est qu'il faut les utiliser pas loin. Ta-da-da-da. Merde. Donc là, faut refaire exactement la même chose qu'en haut. Excusez-moi si je fais trop de bruit, mais il faut bien que je me nourrisse quand même. Ah merde. Je crois que j'allais en tuer 3. Donc eux, on peut les tuer uniquement avec le boomerang. Sauf que eux, ils donnent pas de fée à la différence des autres. Voilà. On a fait une clé. Je me demande s'il n'y a pas une clé en bas, tiens. Je crois pas que ça soit une clé, hein. Oula, déjà? Putain, j'ai pas vu ma vie là. Je vais pas faire comme Delnix. Voilà. Ouais, parce que Delnix, à chaque fois dans King Kong, il bouffe toutes ses vies, il s'en rend pas compte. Bon. Donc, ouais, bon, du coup, c'était pas une clé, hein. Alors j'ai dit que je connaissais les trucs par cœur, mais bon, il se peut que les donjons, je les fasse dans le désordre, enfin, dans le désordre, je veux dire, un donjon en particulier, je fasse pas les salles dans le bon ordre, mais, enfin, je connais les donjons par cœur, mais des fois j'oublie par où il faut passer en premier, quoi. Putain, il est comme un con, moi j'ai tout. Donc voilà, fallait aller là en premier. Enfin ça c'est marrant, ils font la même chose que nous. C'est des mimes. Je connais pas le nom exact des trucs. Ah bah là voilà la clé. Donc là je crois qu'à partir de maintenant c'est fini les donjons qu'on fait en une seule vidéo, c'est fini. Hein. Là on peut pas passer parce que voilà, et même si on fait un sprintant ça sert à rien parce que ça s'écroule là-bas en premier, donc hein. Voilà, donc du coup on peut utiliser la clé là-bas. Enfin, je sais pas pourquoi j'arrête pas de penser à Edgys. Peut-être parce que Season je viens de le faire et j'ai. Enfin sur la Game of Color, j'ai trop envie de faire Edgys du coup. C'est là où on a la plume, je m'en rappelle.
Vite. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est un truc assez sympa. Et vous vous posez peut-être la question, est-ce que c'est les mêmes objets dans Edges et Seasons? À peu près, il y a quelques différences. Enfin, il y a quelques objets qui sont dans l'un et pas dans l'autre. Et vice versa. Voilà. Ah ouais, j'adore leur truc. Ça sert à rien du tout. Ah si, ouais. Je ferais même me taire et de raconter. Hop. Autant les chauves-souris, elles sont. Enfin, on s'en fout quoi, mais dans les niveaux en 2D comme ça, elles sont assez chiantes en général. Mais quel con! Je crois qu'il y avait un truc en bas, ça. Bon, bah, je crois que ça va être ma première mort, hein. Une mort très conne en plus. Allez hop. Ah bah non, j'avais une potion. Je sais pas d'où je la sors, mais bon. J'ai dû la prendre à Maple. Sans m'en rendre compte. Enfin. Sans me rappeler. Oui, en fait, c'est parce que il y a un moment dans Seasons où. Où il y a. C'est exactement comme ça, il y a une échelle. Il y a une échelle à droite. Et en bas, il y a un rubis. Et comme un con, j'ai cru que c'était ici et j'ai sauté sans réfléchir. Enfin bon, ça m'arrivera plus. Donc là, on peut sauter sur les... Voilà. Donc là, le hibou, il est juste que... voilà, qu'on peut sauter dessus. Et ce qui est marrant, c'est qu'il le dit jamais directement, quoi. Merde, la main coincée dans le pack de Pringles. Putain, mais sérieux, il faut être une autruche, là, pour mettre la main là-dedans. Voilà. 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 Sincèrement, je pense que j'aurais pas le temps d'aller au boss là. Bon, là, je vais pas changer d'étage sur la carte parce que des fois ça bloque l'émulateur et ça. J'ai pas envie de recommencer la vidéo pour ça. Quoi. Bon, je crois que j'ai réussi à prendre la main là, à prendre le coup avec les boutons. Je crois que j'ai plus mouvoir de boutons là. Mais à chaque fois j'oublie le cœur. Merde. Voilà, bon. Je me perds un peu là. Ouais, je sais qu'on est près de l'entrée. Allez, je vois où est-ce qu'il faut aller. Voilà.
Non, en fait, je retire ce que j'ai dit, je vois pas où il faut aller. On va regarder sur le la carte. Ok, non. De case. Ah oui, voilà, je me rappelle. Je vois où il faut aller. Faut aller là où il y a le bouton qui fait tomber le sol. Tiens, je voudrais poser une question à Pikeni et Delnix. Celle-là, c'est pas un RPG, vous êtes d'accord. Alors pourquoi vous tuez tous les ennemis à chaque fois dans les salles? J'ai jamais compris l'intérêt du truc. Parce qu'autant dans les RPG, voilà, ça donne de l'XP, mais je vois pas trop intérêt dans Zelda de tuer tout le monde. Quoi. Si ça vous éclate de tuer tout le monde. Hop. D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui connaissent pas Pikeni et Delnix d'aller voir leur compte. Hein. Ils ont tous les deux fait un Zelda et d'autres trucs. Bah, Pikeni, il a fait Star Ocean 2 et ouais, le premier Zelda, voilà. Et Delnix, il a fait, attendez, ah, il a fait le premier Zelda, le premier, troisième Zelda, pardon, sur Super NES, A Link to the Past. Et Donkey Kong Country 1 et 2. Je crois que j'en oublie. Ouais, Sonic Advance. Et après, il a fait quoi, putain? En plus, je sens que j'oublie un gros truc là. Non, en fait, non. Il a fait quoi? Il a fait Zelda en premier. Ouais, et puis allez voir si on veut sur son compte. Bon. Là, c'est la salle du mini-boss. Je vais faire la prochaine vidéo parce que j'ai peur de pas avoir le temps et ça sera dommage de couper un combat en plein milieu comme ça. Donc à la prochaine vidéo. Salut.